comme d'hab, la petite minute avant de débuter l'audio, parce que on sait que à chaque début de stream ça bug, hein, y a deux jours. Donc j'espère que vous aurez une bonne qualité. Je regarde en même temps sur l'ordinateur, j'ai dû mettre la qualité du stream en moyen parce que sinon ça fait des écrans noirs et donc c'est dégueulasse et ça va me refaire le coup d'Assassin's Creed Unity et ça m'avait gonflé. Donc j'espère que vous aurez quand même quelque chose de correct, hein, et que ça va pas bugger surtout. Donc vous pouvez le voir, hein, je suis à 61% de l'histoire, progression 24%, donc ça c'est la progression totale je pense. En 9h34 de jeu, dans les 47 secondes pour être très précis, donc voilà, un peu plus de la moitié, ce qui est plutôt honnête, hein, en une dizaine d'heures de jeu, donc je pense que ça doit faire 15-20 heures pour l'histoire, sachant que j'ai quasiment fait le jeu en ligne droite, hein, j'ai fait un petit peu d'exploration, j'ai dû faire 2-3 quêtes secondaires, mais vraiment pas plus, et jouant en coop, donc on a eu le temps de se taper des délires dessus, donc ça va, c'est plutôt honnête au niveau de la durée de vie. Ça aurait pu être pire. Donc on va commencer. Il y aura certainement pas de spoil. Il y aura peut-être quelques quêtes secondaires encore, je suis pas sûr. Ce sera peut-être de l'exploration. Salut Broly, la qualité est correcte. Bon, ok, bon c'est cool alors. Parce que j'ai dû mettre en moyen avec les bugs d'écran noir et tout. Donc si c'est pour avoir un écran noir pendant une heure, ça sert à rien. Autant rien faire quoi. Donc je vais pas trop spoil, hein, je vais juste faire de la quête secondaire ou juste de l'exploration, comme ça au moins ceux qui veulent faire le jeu après, ils peuvent rester sur le stream, ils sont pas obligés de couper à certains moments. Surtout que là j'ai bien avancé, donc du coup ça commence à se délier au niveau de l'histoire. Donc si c'est pour commencer à faire du spoil, c'est même pas la peine. J'aime pas me faire spoiler, donc j'aimerais pas spoiler les gens non plus. Là il y a un petit peu de spoil par rapport à la ville, parce qu'en fait il y a 4 villes dans le jeu, ça je l'ai pas précisé dans la vidéo découverte. Il y a 4 villes et là je suis qu'à la deuxième au bout de 10 heures de jeu, donc c'est pour vous dire à quel point la durée de vie est plutôt bonne. Vaut mieux que je rigole avec ce jeu parce qu'il est quand même assez flippant. Oula, là je suis dans le noir. Donc on a le son avec la manette, hein, j'ai oublié de le préciser. C'est l'un des défauts, on va dire, et aussi. Le popping, voilà, il n'y a pas de tearing, donc ça c'est bien, mais il y a un peu de popping sur certains bâtiments et tout quand on est un peu au loin, ça fait un peu moche, mais bon, c'est pas ultra visible non plus, faut vraiment s'amuser à regarder quoi. Comme il y a pas mal de zombies, on a pas forcément la tête à ça. Ah putain, ah, j'étais mort ce jour là avec le truc. Donc là on est en pleine nuit, donc je sais pas si je vais commencer à jouer en pleine nuit parce que c'est vraiment flippant, honnêtement. La nuit c'est presque même injouable, parce qu'en fait on peut régler si on a si on veut une invasion dans le jeu ou non la nuit, soit toute la journée en fait, voilà, jour et nuit, ou alors juste la nuit, ou alors carrément pas d'invasion, et quand il y a une invasion c'est le bordel. Donc là il y a des petits zombies en dessous là, coucou. Et l'IA, on peut en parler. Je l'avais trouvé passive sur certains streams, je l'ai trouvé même très débile. Bon, après un zombie c'est jamais très intelligent, hein. Mais je l'ai trouvé vraiment pour le coup pas terrible, et en fait au final elle est très très chiante. Tiens, accroche ta jambe à le faire. Elle est très très chiante, elle est pas si facile que ça, elle est surtout agressive, je trouve, la nuit. De jour c'est un peu plus bête, mais pas au point où je l'avais vu sur certains streams, donc c'est assez bizarre. Comme par hasard, moi ils me font chier sur les streams des autres, ils emmerdent personne, mais on peut les esquiver facilement. Alors un crochet de pété, ça commence. Crochetage, bon, j'ai déjà crocheté un camion en très difficile, donc je devrais y arriver. T'as un black screen, oh putain.
Oh putain de merde. Bon, bah, si t'as un black screen, je vais devoir relancer, hein. J'ai pas le choix. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les streams qui bug à chaque fois? Ça fait chier. Honnêtement, là, ça fait chier. Bon, bah, quitte pas, hein. Je vais relancer, tant pis. Putain. Je vais relancer tout de suite et je vais mettre en basse. Putain, je vais être obligé de mettre en basse. Ou alors j'essaierai avec Ustream, mais je sais pas. Bon, je relance tout de suite le stream du coup. Tant pis. Allez, de suite. Parce que je pense pas que je puisse régler. Ah non, je peux pas régler là. Bon, bah tant pis, je vais relancer. À tout de suite. Voilà, donc j'ai dû couper le stream. J'avais bien commencé en plus à cause d'un écran noir comme d'hab avec Twitch. Donc si ça bug de nouveau, je passerai par Ustream, hein, tant pis. Ça sera plus peut-être plus simple et ça bugera peut-être moins, même si j'aime pas trop Ustream qui bug lui aussi d'ailleurs, hein. Donc j'espère que là ça va pas être le cas parce que ça commence à me saouler, donc j'ai dû mettre la qualité en basse, rebroli, donc j'espère que la lumière elle va rester et surtout que la qualité elle va pas être trop dégueulasse parce que j'ai dû mettre au minimal, hein, donc moi j'aime pas trop streamer des pixels quoi, hein. C'est déjà pas forcément de l'HD de base, alors si c'est pour streamer des pixels ça sert à rien quoi, donc ouais, donc je disais je vais peut-être pas le péter pour rien. Tant pis. Donc ouais, je vais essayer. Ah, je peux pas dormir. Putain, je vais devoir passer. Donc je vais mettre la map. Je suis pas dans la merde. Ouais, donc là c'est la deuxième map. Hein. Donc du coup, vous verrez pas la première. Donc ça me fait un peu chier, mais bon. Si je veux revenir à la première, faut que je repasse par les égouts et j'ai pas trop envie. Surtout que c'est assez long. Donc ouais, faut que je passe à un endroit où il y a une zone sécurisée. Alors, il n'y a pas de lit ici, c'est bizarre. Jade, merde, c'est la trame principale. Putain, quel con. Oh, un connard vient au musée pour le savoir. Roy et Sikrain, Roy a capturé Jade. Il la garde dans un musée. Vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Putain, t'as pas dû ouvrir la porte. Ah, fais chier. Bon, c'est pareil. Bon, je vais pas commencer à expliquer trop l'histoire non plus, parce que sinon, je vous spoil. Bon, en gros, il y a personne qui est tout noir ou tout blanc. Voilà. C'est très... c'est à l'interprétation, presque, j'ai envie de dire, de chacun sur le rôle des persos dans le jeu. Mais, ouais, c'est pas tout noir ou tout blanc, hein. J'ai appris pas mal de choses. T'en auras besoin. Ouais, bon, on s'en fout. Bon, je vais pas aller où à l'endroit indiqué. C'est pas trop mal pour la qualité basse. Ok, bon, bah, ça va alors. J'ai peur, c'est juste quand je vais beaucoup bouger, parce qu'il va y avoir des fights avec les zombies, forcément. Bon, bah là, c'est la nuit. Donc, bah tant pis, je vais devoir sortir. Hein. J'ai pas le choix de toute façon. Ok, c'est bon.
putain. J'aurais bien voulu rester au jour. On peut pas aller dormir là. Vers les égouts. Ah oui, oui, il y a le... Ouais, non. Je vais pas passer par là parce que... Bah, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va aller nettoyer des zones, tiens. On va faire ça. Il y en a déjà qui m'a grillé. En même temps, j'ai eu mis les... Pas de soucis, en fait. En fait, c'est vous serez pas mort. Donc c'est un peu bizarre. Ça me fait penser au tas de fois d'Assassin's Creed, mais bon. Là, lui, il est juste en dessous. Bon, j'ai pas de son par contre. Je vais baisser un peu les options sonores. Allez, coucou. On va s'occuper de toi. Wow, qu'est-ce qu'il me veut ? C'est bon. Non, c'est pas bon. Il est pas mort. Voilà. Ouais, donc les zombies sont assez résistants. Hein. Encore plus dans cette partie de la ville d'ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on apprend quand on progresse dans l'histoire. Donc en fait, c'est une seule ville, mais répartie en quatre mini-villes, on va dire. Ils sont pas si petites que ça, parce que même celle-ci qui est plus petite que la première, donc le bidonville, hein, ça c'est la première ville du jeu, c'est le bidonville. Et bah pour une ville qui est plus petite, elle est déjà assez grande. Donc voilà. En tout cas, le jeu pour l'instant, sur le peu que j'ai fait, mais bon, je suis à plus de la moitié. En tout cas, le jeu pour moi, il est excellent. Et il est même mieux que Dead Island. Hein. Même si j'aime bien Dead Island, je préfère pour l'instant Dead Island. Toi, je vais te pousser et tout. Au revoir. Donc, ouais, de nuit, j'ai peur, vous voyez que dalle, mais bon. Alors, à savoir, ça, c'est un truc intéressant parce que la plupart des gens ne jouent pas la nuit, tellement c'est compliqué, ça peut aussi faire flipper. Parce que la nuit est super bien rendue. Mais le truc, c'est qu'ils ont fait... ils vous récompensent, en fait, si vous jouez la nuit par du double XP et du double... Je sais plus trop quoi. Enfin, des points en double, quoi, tout simplement. Donc, ça vous force pour... ça vous force à jouer la nuit. Sauf que je dirais pas que je l'ai lu dans la tête, mais je le dirai autre fois après. Et du coup, ouais, si on joue la nuit, on a un double XP en fait. Et du coup, c'est bien pratique parce que ça permet d'augmenter notre progression, notre personnage plus vite, plus rapidement. Sauf que le double XP est compté dans les zones non sécurisées. C'est-à-dire que si on reste au-dessus du toit de la maison là en verte, là où je viens de sortir tout à l'heure, bah, vous aurez pas de points, hein, clairement. Mais vous avez les points en double si vous allez explorer un petit peu. Voilà, bien. On peut crafter ses armes aussi. Elle va me saouler. Tiens, pas morte. Ridule qui est invincible. Il a tué la langue française. Ah, mais il n'y a pas que la langue française hein, qui a tué, hein, je pense. Hein. Donc, ouais, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'essaierai d'y répondre sans spoil. Questions sur le perso ou sur un autre truc. Alors, j'ai juste fait le tuto du Be the Zombie. C'est un peu la Left 4 Dead. C'est-à-dire que... comment ? Il a des capacités spéciales, il peut courir tout ça. Donc c'est pas un zombie amorphe qui foutra rien de la map. Un joueur comme lui, là, voilà. Donc non, c'est vraiment un zombie spécial pour le coup. Bon, en même temps, ça serait un petit peu chiant si c'était un zombie très classique. Ouais. Tu vas arrêter de me saouler. Ouais, faut que je répare mon arme. Arrêtez de vous battre. Ah ouais, mais là je suis obligé de me battre. Ah, mais ils sont deux en fait. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. Putain. Ah, vous allez pas me laisser le choix. Alors oui, donc les zombies, il y a plusieurs types de zombies. Hein. Ça j'ai oublié de le préciser. Des zombies spéciaux qui peuvent grimper en haut et tout. Bah voilà, genre eux là, les trois là, je suis sûr qu'ils vont venir me choper. Donc là vous voyez, c'est l'invasion parce qu'ils sont trois. Ils sont particulièrement excités. Wow, okay, y en a qui me jette des trucs. Oh putain. Faut que je me casse. Putain, mais je peux pas attendre le jour aussi, c'est ça le problème. Alors oui, la santé elle se régénère automatiquement, mais pas entièrement. C'est vraiment une toute petite partie. Oh, je suis dans la merde. Oh putain. Wow. Oh, mais lui. Non, je me suis fait buter. Oh putain, ah ouais, notez quand on meurt, on perd des points de survie. Tiens, j'en avais pas eu.
Oh putain! Donc vous avez vu hein, les zombies spéciaux. Utilisez la torche UV, voilà, pour perturber à un instant les infectés qui vous poursuivent la nuit. Bah ouais, mais je sais plus comment. Il veut pas l'utiliser. Pourquoi il veut pas utiliser la torche d'ailleurs? Ah, j'ai des points de compétence, on va améliorer ça. Oula, j'en ai 3. Ouais, donc un arbre de compétences, un SPRPG, on peut personnaliser son personnage. Apprenez à utiliser les cadavres pour ne pas vous faire repérer. Fail. Ah ouais, non, mais totalement. Et de toute façon, le jeu de la nuit, je vais pas dire que c'est injouable, parce que sinon tu pourrais pas jouer, quoi. Mais c'est très, très compliqué, surtout quand t'es tout seul. Parce que le jeu, je précise, hein, j'ai fait que le tuto tout seul, parce qu'on est obligé de le faire seul avant de jouer en ligne, sinon... je le fais qu'en coop avec Chicken hein, et du coup bah c'est le bordel si ça a l'air pas mal ça. Du coup ouais si on joue tout seul c'est très compliqué. Voilà. Surtout si on tombe sur des zombies spéciaux. Frapper dans un coup de sol qui renverse les ennemis, ok. À mesure que votre corps gagne en puissance, vous pouvez absorber encore plus de dégâts. Tiens ça je vais l'utiliser. Voilà. Donc j'ai mis le stream sur mon PC, j'ai coupé le son juste en même temps s'il y a un écran noir ou pas, mais si jamais vous en avez un, prévenez-moi. Ok, bon, est-ce que je peux... Ah, il y a des lits. C'est bon, je vais pouvoir aller dormir. Trouver le conservateur du musée, ouais, je m'en fous ça. Enfin... Ah oui, on peut parler au perso, alors bien sûr, lui, on peut pas lui parler, hein, pour me prouver qu'on peut pas. Désactiver. Bon, ok. Donc oui, il y a des persos qui on peut parler, il y a des quêtes secondaires, c'est comme du Dead Island, hein, clairement, c'est pareil. Moi, je voudrais bien dormir. À la planque du joueur, j'ai essayé de stocker. Ah oui, comme ça, je vais vous montrer l'inventaire aussi. Donc la tenue Master Scavenger Outfit, c'est la tenue spéciale donc qu'on a avec le téléchargement du jeu. La tenue d'éclaireur, donc les tenues, on les ramasse au fur et à mesure, on peut les gagner, en gros. Donc la tenue de traceur, la tenue d'athlète. Donc à mon avis, elles ont des caractéristiques spéciales. Donc ouais, voilà. Donc vous avez l'inventaire, la clé à molette, là, la clé réglable, les fusils de police, matraque, les pistolets 9 mm, voilà. Et on peut améliorer évidemment ses armes. Le café, ça c'est un truc qui est extrêmement important dans le jeu. Enfin extrêmement important. Ça sert à rien au niveau de la fabrication, mais c'est juste que vous pourrez vous pourrez les revendre vu que ça vaut 100$ pièce. C'est très pratique. Donc là j'en ai 8, donc je vais pouvoir en faire 800$. Donc attendre jusqu'au matin. Voilà. J'ai pas encore... Il y a un peu de Rebulk hein, aussi dans ce jeu Broly. Hein, si tu veux savoir, il y en a un peu qui ressemble à Rebulk. Mais encore plus moche quoi. Ok, c'est bon. Le cycle jour-nuit est scripté ou en temps réel? Bah écoute, il est en temps réel, mais j'ai l'impression que sur certains points, genre sur certaines missions, je suis pas sûr, faudrait que je regarde vraiment attentivement ça. J'ai l'impression, au début j'avais l'impression que c'était scripté, sauf que on avait fait des quêtes et le temps avançait au fur et à mesure. Donc là il est 7h40, je regarderai d'ici 2-3 minutes où ça en est, mais non, il me semble bien que c'est en temps réel, hein. Qui est plutôt intéressant d'ailleurs, parce que si c'était pour avoir un cycle jour-nuit scripté, bon, ça enlève un certain cachet au jeu. Elles sont vraiment beaucoup plus casse-bonbon que maintenir camouflage. Ah, énorme! Ah, oui, donc j'ai acheté la capacité. Vous voyez, on peut se grimer voilà, des boyaux, du sang, et du coup, on peut passer tranquille. Ah ouais, il nous repère pas. Coucou. Ah, toi t'es moche hein, quand même. Hein. Ah donc ça c'est une excellente étape, on perd la... Le déguisement, entre guillemets. C'est pas vraiment un déguisement, mais bon. Donc ça c'est bon à savoir. Bah, j'ai bien fait de l'acheter ce truc là. Bon, on va peut-être aller au point où j'avais dit libérer la maison. Donc ça, c'est, là, c'est du, pour moi, ça c'est du Mirror's Edge. Hein. On peut tracer. Plus on augmente notre perso, en fait, plus il va vite.
et du coup bah, c'est bien pratique pour grimper. On peut grimper quasiment partout dans le jeu, donc ça c'est ultra pratique pour esquiver les zombies, sauf qu'il y a certains qui vont vous poursuivre carrément en haut, hein. Il y en a qui peuvent venir jusqu'à où est-ce que je suis, même ici, hein. Ils peuvent même grimper sur les cordes là. Ça leur pose pas de problème. Oula. Et du fight en haut là. Oh. Voilà. Oula. Ah, et un peu désexcité là par là. On va peut-être pas passer en bas. Hein. Ouais, donc on a une lampe à UV pour pas aveugler, mais pour désorienter les zombies. Ça c'est pas mal aussi, même si je m'en suis pas trop servi pour l'instant parce que c'était surtout de nuit, et comme je joue rarement de nuit pour l'instant, j'ai l'impression qu'il était en bas, il m'a suivi. Bon, je sais pas. Encore un ici. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non, quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah! Le café, tu le revends à Franco, 900$. Ouais. Ah mais ouais, vu que lui à chaque fois tu me disais qu'il y avait du café qui est... La cafetière était toujours en panne, qu'elle marche pas. Hein. Mmh, pour le coup, il serait intéressant pour lui. Quoi. Ouais, j'en parlerai. Je pense qu'il aimera le qui me l'achètera. Donc, je vais vous montrer. On peut vraiment sauter très haut aussi. Hein. Bon, ça paraît peut-être abusé, mais c'est vraiment pratique. Alors, la zone. Ah oui, on a un instinct avec la touche croix pour fouiller. Ça nous indique où est-ce qu'on peut fouiller aussi. Il y a un humain là. Ah, et les voitures aussi, donc on n'a pas de dégâts. Je vais lui filer un coup de main. Oh, 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 oh. Ah, mais j'aurais pas dû te donner un coup de main, toi, espèce de traître là. On a dû te laisser crever en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain! Ouais, donc c'est un homme de. Certainement un homme de race en fait. Inventaire plein, bah tant pis. Ouais, du coup ça c'est pas mal parce que c'est un peu. Ça me fait penser un peu à RDR, c'est-à-dire qu'on peut aider et puis au final bon, on se fait avoir parce que. On se fout dans la merde. Bon, savoir. T'as crocheté des voitures. Ouais, pas besoin de crocheter, donc c'est quoi ça? Du produit domestique, du sucre. Crochetage, non, toujours pas. Oh, un sac. Il y a quoi dedans? Pff, putain, un sac comme ça pour 6$. N'importe quoi. Oh putain, il y a trop de monde là. Ah ouais, je vais passer au-dessus d'eux. J'ai acheté la capacité pour grimper. Hop, voilà, hop. On peut sauter par-dessus eux. C'est pas mal, c'est un peu cheaté, mais c'est rigolo. Baklava, ok. Ah oui, non, c'est de la nourriture. Ah, il mange des steaks hachés froids aussi, hein. Ça, savoir. Un crochetage facile, ok. Donc, on peut... Merde. Oh, putain. Je vais le crocheter. Tu peux faire une dédie à Kenza, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Bah, une dédicace à Kenza, alors, si tu veux. Là, par contre, il y a des ennemis. Oh! Alors toi. Ah oui, ils peuvent aussi esquiver, j'ai oublié ça. Toi. Il y a pas de me saouler, toi. Voilà. Oh putain, merde, j'ai fait le con, ça attire les zombies. Merde, je vais crever. De toute façon, Mario le. Ouais, bah c'est presque ça en fait, c'est presque ça. Parce que tu peux pas le faire au départ. Hein. T'es obligé de l'acheter la compétence, mais elle est hyper pratique en fait. Oh, je peux faire du kit de soins, j'en fabriquer. Mais ouais, de toute façon, toutes les capacités elles servent plus ou moins. Hein. Genre là, se foutre du sang désinfecté dessus. Ça va certainement bien me faciliter la tâche dans les zones où il y a plein de zombies. Par exemple, au tout début du jeu, dans une des quêtes, t'avais un truc avec des voitures. Tu devais activer, je veux pas trop spoil, mais tu devais activer des pièges. Et le truc, c'est que t'avais plein de zombies autour. Donc moi, j'utilisais les pétards.
Sauf que je les ai utilisés à mauvais escient, donc du coup j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, si j'avais eu cette capacité là directement, bah ça aurait été trop simple, mais ça m'aurait bien aidé quoi. Parce que t'avais genre une quinzaine de zombies autour de des voitures. Oh là là. Arme brisée. Pourquoi je peux pas la réparer? Oh putain. Tiens. Ouais. Il est pas mort, putain. Mono stream ce soir. Merde, putain. Oui, normalement. Attends, je vois la merde. oui, normalement il stream à 22h de ce que j'ai compris. Donc je vais. J'irai faire un tour, comme d'hab. Oh non, je peux. Putain. Oh putain, il est pas crocheté, mais je l'avais crocheté le truc. T'es sérieux? Ah lui, c'est le zombie qui tombe sur lui-même là, non? Ah non, il a pas la bonbonne. Vous avez vu ma discrétion légendaire. Hein. Alors, j'ai reçu un message, j'irai voir après. Oh putain. Il faut surtout pas faire ce que je suis en train de faire. Donc tu vas arrêter de me stresser toi. Bon, je les attire trop. Je les attire trop avec le bruit. Ah, c'est lui avec sa bonbonne. Peut-être faire ça. Ça les attire pas, ils s'en foutent. C'est la merde. Et tu vas pas me stresser longtemps. Oh là, vas-y, je me casse. Tant pis pour l'ambulance. Donc c'est pour vous prouver aussi que l'IA elle est pas si conne que ça. Contrairement à ce que j'avais pu le penser dans le bah écoute j'en ai parlé un peu à Chicken et tout. Et ouais du coup moi ça m'intéresse bien s'il sort à... s'il sort le 6 mars, peut-être pas je le prendrai le 6 mars mais je le prendrai sûrement ouais. Parce que pour le coup, ça a l'air d'être intéressant. Alors, je vais juste voir deux petites secondes. Hein. J'en ai pas pour longtemps. Ok. Ok, c'est bon. C'était juste pour aller voir le message. 2 ans que je l'attends sur console. Ah, mais c'est ça, en fait. Hein. Franchement, s'il est si bien que ça, moi, ça m'intéresse. Quoi. Surtout que, bon, faut en profiter qu'il n'y a pas encore non plus 20 000 jeux indispensables à acheter. Ah, mais il est mort, lui. Ouais, comment? Putain, mais c'est la nuit, c'est pas la nuit, ils sont bordéliques, hein. Je regrette le bidonville, putain, j'arrive pas à grimper. Faudrait que je me grime en zombie. Ah oui, si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste que j'ai pété l'arme, en fait. Parce que les armes, on peut les réparer direct, on n'est pas obligé d'aller dans un... comme un établi en fait sur Dead Island pour récupérer, réparer ses armes. Ok, je vais me grimer, ça sera plus simple, voilà. J'espère qu'ils vont pas me repérer. Wow! Je me suis repéré? Ah peut-être que si je crochète Ah mais j'ai l'impression que c'est ça en fait, quand on crochète un truc, on est repéré. Ah merde. Ouais certes. Alors, on va savoir ça tout de suite. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Des clopes. Oh putain, ouais, on voit que c'est ça. Je pense que c'est juste temporaire, après on peut l'améliorer. Je vois que ça comme explication. Projetage à la Skyrim. Ouais, c'est ça. C'est dans le même style que Skyrim. Et j'ai déjà réussi à crocheter une voiture très difficile, c'était un camion de police. Et du coup, ça m'avait bien aidé. Mais je trouve le système de crochetage est pas compliqué, donc ça c'est pas mal.
C'est pas Unity où t'as une barre où tu dois appuyer pile au bon moment quoi. Ça demande un peu plus de précision, mais aussi d'y aller plus doucement. Mais c'est voilà quoi, c'est bien pensé. Coucou. 68, j'ai utilisé. Alors je comprends, j'ai fait que 6 packs et j'en ai eu 12 maintenant. Ah, c'est peut-être des x2 le truc là. Comment ça s'appelle? Putain. Le fait que en fait j'ai des capacités spéciales. Je pense que c'est ça. Oh putain, c'est pourquoi la cloche elle est activée là. C'est pas bon ça. Mais il sort de où lui? Eh, bouge là. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon à récupérer? Ah, pour réparer l'arme. Hop, voilà. Il faut que je remette le courant. Ah non, mais c'est pas ici. Merde. On va aller voir sur la carte. Si, c'est là. Ouais. Avec la lampe. Là. Tiens, un enregistrement. Bon, pourquoi je peux pas comment pourquoi je peux pas mettre la main là sur le sur la sur la maison là. Que je peux pas la conserver en fait, c'est bizarre. Hop, ah oui, donc attends, ouais, tu vois, regarde, voilà, 8h14, donc le cycle jour nuit est bien en temps réel hein. Non mais Unity médiocre à tous les niveaux de façon. Ouais non mais Unity quoi, c'est... Il m'a tellement déçu, il m'a satisfait sur quelques points, mais dans l'ensemble, il m'a tellement déçu que je l'ai désinstallé hein, de toute façon. Je l'ai désinstallé, j'ai même fait Killzone Shadowfall, j'ai fini la campagne. Et voilà quoi. Très déçu. Nettoyer le secteur, rétablissez. Bah oui, rétablir le courant, je sais ça. Bah ouais mais... Ouais. Oh putain, me dis pas que c'est en bas à l'abri. Il y a un zombie, hein, t'as à faire attention. Oh putain. Il y a un truc qui va pas là. Ah ou alors... Non, tu m'as pas vu. Tiens, dégage par là. Ah, le courant il doit être là. Non plus. Putain, mais où est cette boîte de fusibles? Nubi aurait dû l'appeler Nuliki. Mais moi je l'ai appelé. Je fais une compile de bugs là, je l'ai mis sur YouTube, je l'ai appelé Unibug, je l'ai appelé. Non mais c'est voilà, c'est quand tu vois même prochain quoi. C'est du coup ça donne moins envie. Et pourtant je sais que je déteste surtout Activision et compagnie, mais là cette année je trouve qu'Ubisoft ils ont vraiment fait fort dans la mauvaise com quoi. Bon je suis dans la merde parce qu'il va faire nuit et j'ai pas sécurisé la zone. Donc ils vont se pointer, donc je suis dans le caca. Ah, c'est peut-être la maison là en fait. Oh putain, ça se trouve c'est celle-là. C'est celle où j'étais tout à l'heure ça. Ah ouais. Pff, nettoyer le secteur. Mais j'y suis. Con alors. Ah oui, le sac est là. Donc le lit est là, donc il y a forcément un truc à faire dehors. Le courant il doit être dehors. Il n'y a que ça comme explication. Désolé hein, je suis pas très doué. Merde. Ouais, ça c'est la montre qui bip hein. Voilà, pour me dire qu'il est 20, il va être 21h. Mais où est cette
Oh, c'est pas ça, sérieux. Oh putain, je suis sûr que c'est ça. Ah non, c'est le piège. Vas-y, va dans l'électricité, vas-y, tu es tellement... Vas-y, 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 regarde. Coucou. Là, je peux même t'amener ici. Merde. Merde. Putain. Oh la vache. Oh, je suis dans la merde. Tout ça pour un groupe électrogène, quoi. Enfin, un groupe électrogène. Un truc électrique, quoi. Hooper sort de ce corps, hein, parce que là... Non, 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 non. Ah, pas tout en haut, pas tout en haut. Voilà. Ici, ça devrait être plus calme. Mais c'est bien, la nuit passe bien vite. Ah oui, peut-être parce que je suis mort. Donc du coup, ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Poursuite évitée. Ok, c'est bon. Xenover sort jeudi chez les Jap. Là, je rage. Nous, c'est le 27. Ouais, bah non, mais ils ont déconné, là. Encore un jour au portant, on sait pas pourquoi, quoi. Est-ce qu'ils ont... Ceux qui ont encore plus déconné, c'est Famitsu, quoi, qui ont moins bien noté le jeu que... comment il s'appelle ? Que... Voilà, ils le trouvent moins, plus mauvais que Battle of Z. Donc ça, va falloir m'expliquer aussi. Hein. Ça, on en reparlera en chat au pire, mais alors pour... pour me sortir que... Ah putain, ça se trouve. Et vous voyez les zombies, regardez, on voit ici en subbrillance. Oh là, la nuit elle passe pas spécialement vite. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire, j'ai pas été voir, je sais pas s'il l'a écrit, la nouvelle partie de la Grande Évasion, est-ce que c'est aujourd'hui? Ce serait pas mal que j'aille voir aussi, d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont là? C'est des statues. Ils ont osé mettre une meilleure note à Battle of Z que Budokai 3. Ah bon, je savais pas ça. Ouais, donc ça prouve que Famitsu c'est pas noté un jeu, quoi, en fait. Parce que Budokai 3 c'était un excellent jeu. Salut monsieur Simark, je viens d'arriver. Il se passe quoi? Mais il se passe que j'arrive pas à trouver ce... le compteur, en fait, pour... Oh putain, il est juste là. J'arrive pas à trouver le compteur, en fait, pour rétablir le courant. Donc du coup, ben, je peux pas sécuriser la zone. Faut que j'attends le jour, et le jour, ils sont assez violents, les zombies, bizarrement. C'est aujourd'hui la partie 12. Ok, merci, ben, j'irai voir ça, alors, du coup. Parce que je me doutais que ça allait être aujourd'hui, mais j'étais pas certain. Oh putain, mais casse-toi, toi. C'est pas un humain, ça. Non, non, c'est un zombie. Et il est... 22... Alors, faut bien que je regarde. La zone, elle est ici. Je vais enlever le... Je vais enlever le repère, comme ça, au moins, je... J'aimerais bien la maison. Donc forcément le truc, il est quelque part, quoi, mais où, j'en sais rien.
Bon, je crois que je vais devoir. Oh putain, mais dites pas que c'est là. Je sais pas du tout. On va attendre. Hein. Désolé, on va devoir attendre parce que j'ai pas envie de perdre tout le temps ma vie, quoi. Famitsu Class Battle of Z au niveau de Tenkeshi 3, même JDC est plus crédible. Ça veut tout dire, donc. Non, mais Battle of Z, c'est, pour moi, c'est le pire DBZ qu'ils ont fait. Hein. Il y a déjà eu des DBZ moins bons, mais lui, c'est le pire. Donc, c'est pour ça, je vois pas comment Xenoverse peut faire pire. C'est, pour moi, c'est pas possible. C'est un zombie, je l'entends grogner. Limite, j'aurais pu le buter. Je retrouve plus ma. J'arrive plus à activer ma lampe à UV en fait. Ah, mais c'est normal. Je pense savoir pourquoi. On s'en fout. Je vais aller voir un truc. Pff, super là. Super là. Ah mais on peut régler la zone morte. J'avais pas vu ça des touches. C'est pas mal. Du coup, ça, pour ceux qui veulent que ça tourne moins vite ou plus vite, c'est plutôt bien pensé. Tenkeshi 3 à 32 sur 40. Battle of Z 32 sur 40. Burst limit 33. Pff, non mais voilà quoi. On va dire tu les classes là. Pour moi, le classement, ça sera, enfin, sur les 3 que tu viens de citer. Hein, ce serait Tenkeshi 3, Burst Limit et Battle of Z quoi. Battle of Z très loin derrière. Bon, vous savez quoi, rien à foutre, on va. Ah mais c'est juste ça l'interaction. Ouais non. On va pas y aller. On va attendre. On va passer par là. Mais putain, je veux savoir où est. Le compteur. Ce zombie est bizarre, et il reste dans la même position. Bah ouais. Non mais je suis pas. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était un humain ou un zombie, parce qu'il était resté dans la même position. On aurait dit quelqu'un qui était malade ou qui venait de courir et qui venait de reprendre son souffle en fait. Mais non non, c'est. Je sais pas. Il est bugué. C'est bizarre. Note Gamer Gen, Tenkeshi 3 18, Budokai 12, Battle of Z 5. Ouais, voilà, donc c'est ça. 1, 2 et 3, quoi. Voilà, ça c'est des. Pour moi, ça ce sont des notes logiques. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont cru au golf, ils ont cru que c'était le score le moins bon qui devait prédominer, j'en sais rien. Merde, putain. Peux nous montrer tes armes. Ouais, attends, je vais juste me mettre à l'abri parce que bon. J'ai déjà fait assez de fails comme ça pour. Depuis le début du stream. Hein. Attends. Quand même garder la lampe. Voilà. Alors, les armes. Hop. Voilà. Bon, j'en ai d'autres qui sont stockées dans les sacs. Dans mes planques, hein, mais c'est des armes qui sont bien moins puissantes. Je les ai pas encore toutes craftées ni améliorées. Donc, il y a le couteau, le marteau. La pelle, le marteau simple, voilà, en double, mais il y a des armes qui sont plus puissantes, voilà, 47 de dégâts, celui-là, il a 52.
la matraque, le pistolet 9 mm, la pioche, les deux pieds de biche, la clé réglable, fusil de police, le 9 mm. Et j'ai amélioré aussi la capacité du sac à dos, parce que là, en vrai, au départ, je crois qu'on a que 4 emplacements, on en a 14. FF13 à 40 sur 40 chez Famitsu, pourtant c'est le pire FF. Mais ils aiment peut-être bien de la merde en fait chez Famitsu, hein, parce que c'est bizarre. Parce que là, t'es en train de me donner toutes des notes, et toutes les notes sont sur des jeux. Sont des notes très élevées sur des jeux de merde, quoi. Donc bon. Je sais pas, ils savent pas noter, j'en sais rien. C'est pas la première fois, hein, que j'entends des aberrations à propos de Famitsu, mais là. Ça va très loin, là. Trouver le con. Non, merde, putain, j'allais dire trouver le condensateur, mais non, ça n'a rien à voir. C'est peut-être là, non? Non, non, c'est pas là. Mais non, c'est pas là. C'est forcément quelque part ici. Il n'y a pas, c'est ici. Oh putain, non. Me dis pas que c'était là. What? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Non, non, casse-toi de là. Putain. Le jeu coûte combien sur PS3? Mais il n'existe pas sur PS3. Uniquement sur Next Gen. PS4 et Xbox One. Et PC. Voilà. Oh putain, j'y crois pas. Il était là, le truc. Putain, ouais, j'ai oublié qu'on pouvait pousser des armoires. Ok, voilà. Bah putain, on aura mis 3 quarts d'heure presque à trouver une zone, quoi. Magnifique, putain. Donc oui, non, le jeu n'existe pas sur PS3. Et quand je vois techniquement ce que ce Dying Light donne, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est dommage pour ceux qui sont pas le jeu, la console, quoi. Clairement, ça c'est vrai que c'est dommage. Mais au moins, on a un jeu, on va dire, next-gen, et surtout qui est fait pour la next-gen. Je pense que si c'était sorti sur PS3 et 360, je pense vraiment que ça aurait été pas bâclé, mais que ça aurait été beaucoup moins abouti. Voilà. Couteau rouillé. On va ajouter ça au stockage. Super Smash Bros. Wii U est mieux noté que Melee et Brawl. Pourtant, c'est le moins bon des trois. Obtenir, ah voilà, 1105 points de survie. Attends jusqu'au matin. Vous voyez, donc là, mes points sont multipliés. Donc, voilà. Non, bah, c'est que c'est Famitsu qui savent pas noter, alors. Voilà, c'est tout, puisque même Nono était d'accord là-dessus que... Ah, mais ils ont dû fumer de la bonne, hein, chez Famitsu. On a le plaisir de vous noter Uncharted 1... 100 sur 100 et Uncharted 2 0 sur... 45 sur 100, tu vois. Alors que le 2 est le meilleur que 1, voilà quoi. Bah après, c'est, je dis Uncharted, c'est juste un exemple. Hein. Je sais très bien que c'est pas ce genre de jeu qui note, mais... Voilà quoi. C'est la preuve que c'est du grand n'importe quoi. Allez, c'est bon. Bon, faut pas que j'oublie que... Je peux pousser les immeubles. Oh putain, le con, je suis tombé. Les immeubles. Les meubles. Pour mettre le courant. Oh, qui veut. Il est là. Tu feras de la coop. Je pense que j'en ferai. Peut-être je ferai des coop spécialement avec des gens du stream, ou alors je ferai de la coop avec des gens de ma liste. Je sais pas encore, mais oui. Bah j'en ai déjà fait, hein. Mais je le faisais pas en ligne, quoi. Enfin pas en streaming. Crochetage intermédiaire. Advance Warfare à 38 sur 40. Ouais, bah, non, voilà, c'est tout. Ils savent pas noter, quoi, c'est tout. Après tout le monde dit que c'est le meilleur Call of depuis bien longtemps, mais bon. Je vois que je fais bien de pas me rapporter aux notes de Famitsu, sinon j'achèterai aucun DBZ, tu vois. À part les bouses.
54$. Allez, go. Allez, on va faire l'autre point. La quête. J'ai pas dit le petit truc habituel hein, que je dis souvent. Que le replay sera sur YouTube. Le replay du stream. Oh merde, putain, qu'est-ce qu'il fout lui. Oh merde, putain. Pas le choix, on va passer là. Hop. Coucou. Hop. Oh, et lui, il avait un couteau. Oh, putain. Faut comme par hasard, faut qu'il y ait des zombies à un endroit intéressant. Dégage. Dégage, 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 dégage. Ah, il va me bouffer lui. Oh putain. Poussez-vous, j'ai une arme. J'ai dit poussez-vous. Ça. Ça y est, vous voyez les zombies qui rushent comme. Mais non. Mais pourquoi? Oh putain, donc oui, les zombies qui rushent dans la première ville, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais c'était beaucoup plus rare. Sauf la nuit. Oh putain, c'est pas possible. Ah bah, lui, on veut, je vais lui vendre du café. Alors. Merde. Ah, il est là. Oh là. Hop. Par 10. Et qu'est-ce que tu me proposes d'acheter une dague? Pas intéressant. Un merlin lourd. Ouais. C'est quoi ce nom? Un pistolet 9mm américain. Ok. Peut-être acheter de la gaz. Non, non. Je suis gouré. Mission pistolet. C'est un peu cher. On va en acheter que une. Enfin, une. Un peu. Kit de soins 2. Ok, c'est bon. Quelle heure il est là? 10h, c'est bon, on a le temps de sortir. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc là, ce que vous voyez, je vais faire une petite pause de seconde. Ce que vous voyez au loin, donc ici, là, la ville ici. Je sais pas si j'ai encore été, mais vous pourrez l'exploiter après, voilà. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et la ville au loin là-bas, c'est la ville d'où on vient en fait. Si je dis pas de conneries, c'est de là où on vient et donc après on arrive, on atterrit ici. Donc voilà, tout ce que vous voyez autour, en fait, on peut exploiter. Bon, sauf les montagnes là-bas au fond. Hein. Et le stade. J'aurais bien été faire un tour dans le stade plus tard. Ok, donc le conservatoire du musée est juste là. Mais je garde ça pour le... Pour le... La coop avec Chicken. Ok, c'est bon, le point de navigation, il est resté. On va aller là-bas. Ça c'est pareil, la compétence de glissade, on peut pas l'utiliser au début, hein. Il faut l'acheter. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. C'est un camion fermé ou ouvert là? Non, c'est un camion fermé, on va y faire un tour. Y'a rien. Y'a que dalle. Oh putain.
Une ambulance. Oh là là. On va rentrer là. Oui, je peux vous aider, vous voulez des médocs? Vous voulez un remède peut-être? Putain, mais peut-être qu'il y aura des kits de soins là. Sucrerie. Ok. Ah bah voilà. La gaz, elle servira juste pour faire des kits de soins justement. Donc c'est quand même pratique. Même s'il faut de l'alcool aussi. Tu m'agaces toi. Bon allez, tant pis, c'est même pas la peine d'essayer d'aller chercher le... d'ouvrir les trucs. Je vais réparer l'arme. Voilà. On avait pas mal de zombies là. Là aussi. C'est pas le... C'est pas le moment, hein. On va grimper là. Allez, mais grimpe! Pas possible ça. Merde, je fais tomber un truc, c'est pas grave. Oh bah c'est la pou... Alors deux secondes, c'est la poignée de la porte. Ah oh, putain. Ok, c'est pas grave. Killing Floor 2 sera énorme en coop à 6. J'avais fait le 1 sur PC. Killing Floor. Si ça me dit quelque chose, mais je n'y ai jamais joué. Putain, j'arrive pas à parler. Le live se termine à quelle heure? Quelle heure il est là? 7h, ouais, 19h30. Peut-être d'ici une demi-heure. Je vais pas faire toute la soirée. Je restreamerai peut-être dans la soirée. Mais je vais faire une pause hein, entre deux. Donc voilà, après si j'aime pas faire de la pub, mais voilà, si tu veux t'abonner ou quoi, y'a pas de soucis, comme ça tu verras quand je streamerai si ça t'intéresse. Je t'oblige à rien, j'oblige jamais personne à s'abonner de toute façon. Mais ouais, je restreamerai peut-être un autre jeu, ou alors je restreamerai encore du Dying Light, mais ouais, peut-être d'ici une demi-heure. Je pense, ouais, une petite demi-heure j'arrêterai. Je mettrai la rediffusion sur YouTube. Ok, donc là on est au-dessus de la zone à dégager. Ah, mais il est déjà mort. Mais ça va pas traîner. Passer par là. C'est quoi ça? C'est un oiseau? Ah oui, c'est un oiseau qui est mort. Ok, donc la zone est là en bas, c'est bon. Juste... Oh putain, merde, les barbelés ça nous blesse évidemment. Moi j'ai foncé dessus comme un gros con. Un plus de tête, voilà. On va y aller discrètement. Ok, donc le lit est là. Cette fois-ci, j'ai bien regardé, hein. Si on peut bouger des meubles et tout. Il y a des collectibles, voilà, une statue à récupérer. Je sais pas si on peut les vendre. Je pense pas. Mais il y a des collectibles à récupérer, des fichiers audio, des fichiers texte, voilà. Oh merde, putain, c'est un crasher. Putain, pourquoi je le regarde, moi? Dégage. Putain, merde.
Il va venir me saouler, je pense. Putain, ils sont juste derrière moi. Et je me suis enfermé dans la zone. Magnifique. Ah oui, mais j'ai la matraque, c'est pour ça que... que je les tue rapidement. La matraque est vraiment puissante. D'ailleurs, on dirait pas vraiment c'est une matraque télescopique, hein, mais... genre une club de golf, enfin, je sais pas trop, c'est... un peu bizarre. Ok, c'est bon, c'est juste là. D'accord, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, on s'approche d'une... d'une zone... d'une zone d'une zone à sécuriser. En fait, on a le mec qui nous parle, parce qu'il nous parlait déjà tout à l'heure. On dit, ouais, voilà une antenne, ouais, voilà, c'est ça, chercher le mouche. Ça ressemble à plein de trucs, mais ça, on dirait pas vraiment une matraque, quoi. Dis-vous, on la prendre de l'autre côté à la limite, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté plus gros que l'autre, mais. Putain, puis il sonne la cloche aussi, elle n'arrête pas de sonner, ça c'est pas bon. Tu vas chercher des Pringles. Vas-y, fais donc. Fais-toi plaisir. Et il y a le crasher là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Non, ouais, une demi-heure encore, ouais, une demi-heure. Un policier. Ah oui, on peut également leur donner une espèce de coup fatal là. Parce qu'en fait, vous voyez l'espèce de radiographie du zombie, les côtes, tout ça en transparence. Bien placé, ça fait toujours l'affaire. Pas encore mort lui, tiens. Ouais. Mais j'ai gardé la matraque parce qu'elle est résistante et elle est puissante. Donc, ouais. Bon, lui, bon, par contre, lui est en train de me stresser, donc toi, on va s'occuper de toi. Voilà. C'est bon. Zone débloquée, parfait. C'est de l'antizine, ça, non? Ouais. Peut-être des doses d'antizine qui vous laissent injecter avant de mourir. Oui, parce qu'en fait, en gros aussi, hein, dans le jeu, il va falloir trouver de l'antizine pour éviter les crises. Du perso et de ses comment des persos avec qui on va coopérer tout simplement. Dans quelques missions, il faudra trouver de l'antizine parce qu'à la base notre perso est un agent de la GRE, de groupe de recherche et d'entraide, si je dis pas de bêtises. Et au fur et à mesure, on va se délaisser de cette organisation tout simplement. Mais voilà, en gros. Et c'est rare. Ah, le l'antizine, ouais, bah en fait, c'est pas comme dans Dead Rising où il y a du Zombrex à trouver obligatoirement. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est scripté, c'est-à-dire qu'il y a de l'antizine à trouver, c'est pareil pour les missions secondaires ou les missions principales, mais c'est pas quelque chose que tu vas avoir besoin régulièrement pour te soigner. T'as les medikits pour ça, en fait. Mais oui, l'antizine, oui, c'est dans le jeu, elle est très rare à trouver. Bien sûr, tu te trouves pendant les missions, mais sinon, oui, c'est quelque chose qui est très recherché parce que c'est ce qui permet de retarder l'échéance et qui sert entre guillemets de remède contre l'infection, même si c'est pas un truc qui va guérir. C'est pas un médicament qui guérit la population.
ou du moins ce qu'il en reste. On va peut-être pas se jeter dans la gueule du loup là. On va aller dormir. Merde, c'est au-dessus. Allez. Là, voilà. Oh, t'en es même pas encore à la nuit, donc va falloir que je... Oui, on peut attendre jusqu'à la nuit, attendre jusqu'au jour, ou... Enfin, attendre jusqu'au matin. On n'est pas obligé, si on veut jouer que la nuit, on peut. On n'est pas forcé de jouer le journée. Même si c'est largement mieux. On va prendre la zone ici. Il y a des excités là dehors encore. Alors, il y a un zombie qui crame, mais c'est normal. Voilà. Un barbecue, les mecs. Un barbecue. Est-ce qu'on passe au travers? Non, c'est bon. Alors, vas-y, viens. Viens m'attraper. Viens. Hop là. Ah, t'as de la chance, t'es pas tombé dans le vide complet. Toi, peut-être que oui. Non, non. C'est pas de bol, moi je parle. Pas où est-ce qu'elle est la tour là. La plus grande tour de cette ville. Mi-bronze, ouais là. Ah bah là il va cramer même, je dirais. Mais c'est ça, ouais. Il fait bronzette. De toute façon, ils ont plus que ça à faire. Hein. Ça et manger des gens. Tant qu'il m'embête pas, je vais pas aller l'embêter. Hein. J'aime bien ce qu'il tombe n'importe comment en fait. Oh merde, lui, toi, par contre, toi, je sais que t'allais m'attaquer. Là. Couché. Ok, c'est bon. Alors, par contre, je sais pas la matraque si je vais pouvoir la réparer. Bon, je pense que oui, mais. Passer par là. Ok, donc c'est cette zone là, c'est l'espèce de tour. Ok. Please help us. Oula. J'aime pas trop là. Oh putain, merde. Oh la boulette. Oh le con. Putain. Alors ça, c'était pas prévu. Bon, il y a le. Tiens. Il y a le compteur en bas, donc ça c'est bon. D'un côté, j'aurais dû passer par là quand même. Ah mais je suis passé au travers des planches de bois. Je m'y attendais pas du tout. Ok, donc pour ce qui est du compteur, c'est réglé. C'est quoi ça? Non mais descend. T'as une statue. Fallait la voir celle-là. À mon avis, il faut peut-être aller en haut, ils doivent encore en avoir. Disciple de Fidi. Attends, Fidipides. Ah, ok, donc c'est bon. Donc ça veut dire que j'ai fait 42 km depuis le début du jeu. J'ai cru que c'était 42 000 en fait, mais non, c'est 42. Oh putain, merde! Un Malabar, je crois que ça s'appelle ça. Oh putain. Oh merde. Bon, toi, je vais te shooter au flingue. J'ai pas le choix de toute façon.
Non. Ah, y'a qu'un seul, mais c'est un casse-couille celui-là. Je vous le dis. Non, putain. Putain de merde. C'est bon, je l'ai eu. Oh, j'ai plus de munitions, putain, je suis dans la merde. Oh putain. Zone sécurisée débloquée. Black screen, et allez, c'est reparti. Bon, bah, on va devoir s'arrêter là, du coup, je pense, tant pis. Hein. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de black screen pendant... pendant la plupart du stream. Mais bon, je vais pas relancer encore, c'est... Je restreamerai tout à l'heure au pire, comme ça au moins ça fera un stream différent. Je vais rester un petit peu en commentaire et puis peut-être que ça va revenir l'image, j'espère vraiment. En fait, je vais vous raconter si jamais ça revient pas. Il y avait un malabar et pas le bonbon. En fait, c'est un zombie géant avec une massue. Et le truc, c'est quand il vous tape avec, s'il tape dans un certain rayon, Vous avez le... Je sais plus ce que je dis. Quand il tape avec sa massue dans une certaine zone, voilà, vous avez une zone, je sais pas, sur 2-3 mètres en fait, et ça crée un impact sur le sol, et ça vous fera tomber, vous perdrez de la vie. Voilà, clairement. Et ils sont assez coriaces. Le premier que j'ai tué, c'était dans une zone où je devais... rétablir le courant, j'ai foutu le bordel en fait et j'ai tout fait exploser. C'est quoi ta chaîne YouTube? Je vais m'abonner. C'est gentil monsieur Simard. Alors ma chaîne c'est Anthony Jeff Hardy, tout collé hein. Donc ANTHONY JE2FHARDY, voilà. Je mets une vidéo par semaine ou un peu plus, ça dépend. Là comme j'ai dit, j'ai du retard et du coup je vais essayer d'en mettre 2 ou 3. Tout a une sale tronche, hein. Vous le verrez pas malheureusement avec le black screen. Mais donc ouais, voilà, c'est ça, ma chaîne YouTube, Anthony Jeff Hardy. Nom de merde, je sais, mais bon. Ça fait longtemps, à la base, quand je l'avais créé, le pseudo, c'était pas pour faire des vidéos sur YouTube, c'est venu par la suite. Voilà, donc on va tant pis, hein, y a un black screen, on va s'arrêter là. Je vais être obligé de toute façon. Enfin, je vais être obligé, c'est pas que je vais être obligé, c'est juste que c'est pas intéressant quoi. Bon, en tout cas, je suis content, ça a duré plus longtemps, il n'y a pas eu de. Je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de bugs sur les serveurs de Ustream et de Twitch quoi. Parce que je sais que la connexion ça joue aussi, hein, il n'y a pas de souci, mais là, c'est quand même abusé quoi. Donc ouais, je restreamerai dans la soirée après le stream de Nono Broly. 1 heure tranquille, ouais bah c'est ça quoi, c'est 1 heure 1 heure tranquille et là voilà 8 minutes où ça bug. Je sais pas, va falloir faire des vidéos des streams 1 heure, relancer, recouper, j'ai l'impression quoi. Si ça pour esquiver l'écran noir, c'est quand même abusé hein. De toute façon, si je restream, ça sera après le stream de Nono, à moins qu'on fasse un jeu. Si vous voulez faire un jeu ce soir, la commune Nono, là, je sais pas. Mais ouais, si je restream, ça sera dans la nuit, quoi. Comme par hasard, hein, dans la nuit sur ce jeu. Peut-être pas trop conseillé. Mais bon. C'est rigolo. C'est beaucoup plus... Alors déjà, tout seul, c'est assez amusant, hein. Mais c'est un peu répétitif, forcément, et puis on peut se lasser... donc le jeu est beaucoup plus intéressant à jouer. Vous avez des points de compétence. Hein. C'est beaucoup plus intéressant à jouer avec des gens en fait, avec des amis tout simplement. Alors je sais pas si toutes les compétences elles coûtent un point, j'en sais rien. Aucune idée. Je sais pas. Je vais encore rester 2-3 minutes, puis j'irai. Ok, après Nono.
Versus Rebulk. Ah ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. Après ce fameux Rebulk. Ce Rebulk sauvage. En tout cas, s'il stream et qu'il met la... autant de temps que moi pour battre Rebulk, là, que moi j'ai mis pour trouver le compteur, on n'est pas dans la merde. Hein. Parce qu'en fait, il était sous-mondé, c'est bien ça. Il y avait... Parce que souvent, dans certaines zones, il y a des compteurs qui sont en bas et du coup... il faut descendre vraiment là où on pense pas descendre. Sauf que là c'était pas le cas, c'est juste que il y avait c'est juste qu'il y avait le une armoire devant. On peut prendre des tyroliennes aussi, c'est dommage, je vous aurais bien montré ça. Malheureusement, je peux pas avec l'écran noir. Complètement con d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a un écran noir quoi. Je sais même pas comment ça peut exister. Mais bon, tant pis. Peut-être pas assez d'argent pour payer la facture d'électricité chez Ustream et chez Twitch. Surtout chez Ustream. Hein. Enfin bref, j'essaierai peut-être avec Ustream d'ailleurs en parlant de ça. Peut-être que ça buggera pas chez Ustream en ce moment, j'en sais rien. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une qualité correcte même en basse, donc ça c'est bon à savoir. Je pense pas que c'est avec tous les genres de jeux que ça passera comme ça aussi bien. Bon. Partie si tu veux après le stream. Ouais, bah je vais peut-être manger avant quand même, et puis sinon, ouais, ça me dérange pas, ouais, pas de problème. De toute façon, je t'avais dit hein, tout à l'heure. De toute façon, il y aura forcément certainement une partie avec Nono ou quoi après, mais même, même avant, ouais, y a pas de sushi. Ok, bon, c'est bon. Moi, je vais y aller. Donc, je vous remercie à vous d'être passé, à toi, donc Broly, Monsieur Simard, merci aussi à ceux qui me suivent sur YouTube et sur Twitch, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui sont passés sur le stream et qui n'ont pas commenté, y a pas de problème, hein. Je cherche pas à battre un record de commentaires. Même si c'est toujours mieux d'interagir avec les viewers. Voilà. Donc merci à vous et puis bah à tout à l'heure si je restream sur Dying Light ou sur un autre jeu, je sais pas. Probablement Dying Light, peut-être en coop. Et si je stream pas tout à l'heure, bah à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur YouTube ou sur Twitch ou Ustream. Ciao tout le monde.